Eh bien, bonjour à tous, bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois, bienvenue aux habitués, bienvenue sur la chaîne YouTube Adobe France et sur Adobe Live. Vous êtes avec nous pour une petite heure. Nous recevons aujourd'hui Anna Vanda Gogusset, qui sera interviewée par Pauline à ma gauche, et moi, donc Franck Payen. Vous pouvez nous suivre sur Behance. .net/live/fr/AdobeLive. Et si vous trouvez que ce lien est beaucoup trop long, vous allez dans le chat de YouTube et vous récupérez le chat, vous récupérez le lien, on va le poster dans 2 secondes et tout sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Voilà le lien du Behance. Anna, si tu devais te Oui. présenter en quelques mots. Alors c'est facile, je m'appelle Anna Vanda Gogusset, je suis illustratrice, je fais des dessins. C'est bien ça, c'est pas mal, c'est concis, c'est efficace. Pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, eh bien, qui ne connaissent pas encore Anna, nous l'avons reçue au mois de novembre 2019, donc il y a maintenant 7 mois, pour une session sur laquelle on a présenté un petit peu ton travail, mais surtout on a passé beaucoup de temps à te regarder dessiner. Et ça, c'était plutôt un truc chouette, on t'avait même fait dessiner sur Fresco à l'époque. Oui, voilà, ouais, pour tester un petit peu comment ça fonctionnait. C'est cool, c'est une très bonne chose. Aujourd'hui, donc, on est en direct du canapé, et en direct du canapé, on est plutôt en mode inspiration, donc on va te parler de beaucoup de questions, on va te poser beaucoup de questions et te parler de beaucoup de choses qui sont plutôt sur la partie parcours, qui tu Ça es, marche. etc., etc. Je vais faire une petite transition vers ton écran, si ça te va. On est bon? Hop. Ouais, j'en profite pour dire bonjour à tout le monde dans le chat. On a plein de gens aujourd'hui. Du Ah, coup, c'est cool. Aïgen, Sylvie, Léandre qui nous dit elle est stylée l'intro. Merci. Daniel, qu'on voit souvent. Delphine, qu'on voit souvent. Ouais, Laurent, bah, Alexandre, Charlène, Clément. Il y a plein de gens. Exa Motion Games. Il ne savait pas qu'il y avait des directs sur Behance. Donc, ça va être un petit nouveau. Bienvenue à toi. Hervé, Jamila, Greg. Voilà. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Alors, allez, je transitionne. Bougez pas, dites rien, dites pas de bêtises. Et normalement, on est bon. On est sur ton écran. Ouais. Alors, du coup, donc sur ton écran, ça va nous permettre de voir un petit peu. Donc, c'est ton portfolio, c'est tes derniers travaux. Depuis quand? Parce que ça fait un bail que tu fais tout ça. Et ben, ça remonte à loin. En fait, plus tu remontes loin, plus on est. Ça doit être à peu près ouais, 2014-2015 en bas. Et puis après, plus tu remontes, plus c'est des choses récentes. Et après, évidemment, il y a des sous-dossiers pour lesquels je travaille depuis longtemps. Donc, par exemple, si on clique, ça c'est un projet perso, mais si on clique là-dessus, ça date d'il y a pas mal d'années, ça, de continuer, enfin, de faire pas mal d'illustrations comme ça, quoi. Je pense que tu peux prendre plus ton temps, qu'on ait bien le temps de regarder. Ah oui, oui, parce que moi je connais, donc je passe Ouais, comme toi ça, mais qui les en connais, fait. je les ai déjà Ouais! vus, ces illustres, oui. Ouais, parce que ça, c'est par exemple, c'est du boulot qui est un peu plus vieux, mais comme je continue d'en rajouter, du coup, ça reste vers le haut de ma page. Et du coup, c'est quoi le thème de cette série? C'est quoi le En film? fait, c'est un thème c'est surtout la femme au centre de mes illustrations, et après, je mets un thème, enfin, un thème ou des objets autour, parce que j'ai appelé ça les femmes et les choses. Et donc, du coup, ça dépend, voilà, donc ça peut être des chauves-souris ou des oiseaux, des églises qui brûlent. Ça, c'était l'actualité de l'année dernière, en fait. Ah, c'est l'actualité de beaucoup d'années, hein, les églises qui brûlent. L'année dernière, Mais quand c'est même. vrai qu'on m'avait envoyé des messages pour me dire que c'était ma faute parce que j'avais dessiné trop de maisons et d'églises qui brûlaient. Donc, T'étais voilà. complètement responsable de la flèche de la cathédrale, bravo. Et voilà, et à 18h20, la flèche est tombée, c'était moi. Donc voilà, oui, ça, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis les derniers, c'est ça, j'ai fait des chiens. Vas-y doucement là, on a envie de Mais non, mais c'est qu'il y en a regarder. trop, il y en a trop, c'est moi, voilà. Et Oui, on aime bien les regarder, tu vois. puis je crois que ça, c'est ma dernière. Ouais. Mangez vos légumes. Bah, du coup, là, si on a envie de prendre notre temps pour les regarder, ils sont sur ton site. Ils sont sur mon site, ouais, vandaloveyou.com. Ladies of the Things. Et on peut les voir sur ton Instagram aussi, sûrement. Oui, c'est aussi sur Instagram, ouais. Je les poste au fur et à mesure. Allez.
Alors c'est marrant parce qu'on a été rejoint par Examotion Games qui nous disait en fait ils regardent les vidéos sur la chaîne depuis au moins 2018 et que maintenant il y a plus de tutos, ils découvrent des lives et tous les autres softs. C'est exactement à ça qu'on sert. C'est dispo sur Behance, c'est dispo sur Creative Cloud. Du coup, ben, quand vous avez un artiste qui vous plaît, que vous regardez du côté info, normalement vous avez son profil, vous avez le lien, vous pouvez regarder qui il est, d'où il vient, etc., etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Et pour tous les gens qui sont encore restés un petit peu sur YouTube, rejoignez-nous du côté Beyond, ça nous permet un peu de suivre, de comprendre qui est qui fait quoi en termes de travail. Et on vous donnera le lien vers la fin de la session pour aller faire un tour du côté du Discord, où l'on discute principalement de design, de feedback, de retour sur vos projets, etc., etc. Vous y serez les bienvenus, en toute courtoisie. Alors du coup, ouais, donc un travail principalement en illustration. Est-ce que je vais peut-être laisser Pauline mener cette interview parce que j'avais fait la précédente. Donc il faut qu'on renouvelle le style, le genre. Bah écoute, moi j'ai envie de savoir comment t'as commencé, c'est quoi ton parcours, tu vois, comment t'en es arrivé là, parce que tu nous disais en off avant que maintenant t'es plutôt très 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 booké. Donc c'est un peu le pour les illustrateurs, c'est un peu le truc qui fait rêver, donc qu'est-ce que comment t'en es Bah, en arrivé fait, là, tu vois? c'est pour un illustrateur, c'est un peu juste la seule façon de gagner sa vie, c'est de travailler beaucoup parce que c'est pas très très bien payé l'illustration, tout le monde sait ça. Donc du coup, oui, il faut beaucoup beaucoup bosser. Mais alors donc mon parcours, moi là-bas j'ai fait des études de graphisme, j'ai fait communication visuelle en école d'art appliqué à Paris. Ok, t'as fait quelle école? J'ai fait ma mise à niveau à Estienne et mon BTS à Olivier de Serres, Ok. du coup en communication visuelle print, mais en fait j'ai jamais été graphiste quoi, donc j'ai fait ça parce que je me suis dit qu'il fallait un diplôme et que je voulais pas faire juste un diplôme d'illustration, mais en fait j'ai toujours toujours fait que des dessins, et même pendant mon diplôme, chaque fois qu'on avait besoin d'images dans certains projets, je dessinais tout, je Ok. voulais pas utiliser des images de stock ou des choses comme ça. Donc j'ai fait ça, mais après, ouais, j'ai jamais. Enfin, si, j'ai fait un stage de 6 mois en graphisme, et c'est là que je me suis rendu compte que je voulais pas faire ça. Donc voilà, et que du coup, j'allais plutôt continuer à faire des dessins et essayer d'en faire un métier, quoi. Ok. Et du coup, comment tu t'y es pris? Est-ce que tu as commencé à avoir des contacts, des contrats, des... Bah, en fait, c'est un peu. Moi, je connaissais personne à la base. J'ai pas trop de contacts dans l'édition, tout ça. Donc, en fait, au début, j'ai fait mon stage de 6 mois et je l'ai fait aux États-Unis, au Texas, à Austin. Et du coup, en fait, la ville m'a plu, donc j'ai décidé d'y rester un petit peu. Et c'est une ville où il y a énormément de concerts. Donc, en fait, j'ai commencé à faire des affiches pour les concerts qu'il y avait. Et donc tout dessiner, les typos, on peut. Je ne sais pas si on voit encore mon écran. Ouais, on est toujours chez toi. Ouais, bah voilà, donc on peut. Qu'est-ce que j'avais par exemple? Voilà, pour cette salle de concert, ça c'était à Austin. Et du coup, j'ai fait plein, 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 plein d'affiches, c'est extrêmement long. Ah ouais. Et Ouais, donc, bon, t'as ça c'est le florilège, le best-of. Voilà, mais du coup, ce qui est chouette avec les affiches de concert, c'est qu'on peut dessiner n'importe quoi. Donc, je pouvais dessiner des gens qui courent sur des citrons. Ça n'a aucun rapport avec les groupes, mais c'est pas grave. Parce que ce qui est important, c'est qu'on ait envie d'aller voir le concert, quoi. Que ça a l'air cool, fun, que ça. Bon, là, c'était que des trucs de garage, de rock. Donc, ce soit un peu dans ce type d'image, quoi. Mais c'était vraiment. Carrément, c'est trop bien. Et du coup, j'en ai fait beaucoup. J'en faisais 4, 5 par se... enfin, 3, 4 par semaine. Et puis, et voilà, toutes les semaines. Donc, ça fait une grosse banque d'affiches de concert. Et donc, c'est là que j'ai commencé à avoir vraiment mon style, les typos à la main que j'aime bien faire. Et donc, voilà. Puis, tous mes thèmes, des animaux, des trucs. Voilà. Et du coup, c'est quoi ton... C'est marrant parce que quand on voit tes affiches qui sont plus anciennes, ton style, il est resté hyper cohérent, quoi. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à faire là-dedans que... Bah oui, et puis enfin, ce qu'on voit quand même quand on regarde ça, c'est des affiches qui sont assez anciennes, qui doivent dater de 2014, 2013.
C'est quand même que le trait est un peu plus brouillon. Je me suis quand même, c'est devenu un peu plus net maintenant. Ouais. Mais après ça, c'est tout. Enfin, vraiment, je pourrais, je pense, dessiner quasiment le même type d'image maintenant, quoi. Ouais, parce ouais, que oui, donc ça, c'est il y a l'année dernière, je crois. Et ça, c'est, ouais, il y a 6 ans, et c'est à peu près la même chose, quoi. Et du coup, c'est quoi ton processus créatif? Parce que là, maintenant, je pense qu'on commence à comprendre un peu ton style, et c'est un peu, je sais pas, c'est un peu un camoulox visuel, tu vois. Ouais. Bah, en fait, mais non, mais dans ma tête, c'est comme ça, c'est vraiment un camoulox, effectivement, parce que, en fait, je ne sais pas comment mon cerveau fonctionne. Quand je ne trouve pas d'idées, je feuillette des bouquins, je regarde des images, et puis, et sauf que je vais jamais dessiner l'image que j'ai vue, qui m'a donné l'idée. Par exemple, je vais feuilleter un truc et je vais voir des images de chevaux et je vais me dire, ah, oh, super, je pourrais dessiner un chien. Enfin, et du coup, je ne sais pas pourquoi ça fait ça dans ma tête, mais c'est comme ça que ça marche. Ouais. Oui, du coup, tu as un vrai lâcher prise sur ce que tu fais. Ben, en fait, enfin, j'essaie toujours de faire des images qui sont un peu surréalistes, un peu décalées, avec un peu de poésie. Et du coup, ça n'a pas besoin d'être ancré dans la réalité, là, comme cette image qu'il y a devant nous. Il peut y avoir une main géante, pourquoi pas, en fait, parce que c'est ça qui est trop bien avec l'illustration, c'est qu'on peut dessiner n'importe quoi, et ça n'a pas besoin d'être réel, ça n'a pas besoin d'être possible. De toute façon, c'est un dessin, donc tout est possible. Ouais, carrément. C'est cool, hein. C'est vraiment cool. Bah c'est enfin bon, moi j'adore dessiner et j'adore dessiner n'importe quoi, c'est chouette de faire ça, quoi. Comment tu fais le lien entre faire de l'illustration pour un client qui a une vraie demande, où tu vois, faut répondre à un brief, un truc, et quand tu parles de ta démarche, c'est une vraie démarche d'artiste qui fait un peu genre YOLO, je fais ce que je veux. Bah, évidemment, je peux pas faire ce que je veux pour tous les clients, quoi, c'est ça, en fait. Évidemment, comme c'est des affiches de concert, j'ai vraiment souvent carte blanche. Mais après, pour des clients, pour tourner en arrière, des clients ou très spécifiques, par exemple, ouais, là, j'avais travaillé pour le CNES, fallait dessiner des fusées, des trucs comme ça. Donc là, j'avais vraiment une fusée à dessiner, c'était important. Après, bon, on m'a laissé la liberté un peu sur les couleurs, qui sont pas forcément très réalistes, mais c'est le reste est quand même, voilà, c'est leur fusée, quoi. Okay. Donc, on a une petite question de Laurent qui demande si tes illustrations c'est à partir de sources photos ou c'est complètement d'imagination. Les deux, parce qu'il y a des choses que je sais pas dessiner, donc évidemment je me sers de photos. Parfois je me sers de moi-même comme modèle, et puis après il y a des choses que j'imagine, évidemment. Mais bon, comme en fait il y a beaucoup de dessins que je fais qui sont assez précis, là on voit ces fusées justement, là ça c'était des photos évidemment, parce que c'est des choses que je suis obligée, et puis en plus le nombre de réacteurs sur Ariane, c'est pas simple. Voilà, donc je peux pas tout inventer, ouais. Carrément. Clément nous dit il aime bien le style très traditionnel accentué par tes propres typographies. Traditionnel, ah ouais, d'accord. Ouais, c'est marrant. Ouais, du coup dessin en trait, je sais pas si c'est très tradi. Je sais pas, si une fois on m'avait dit que mes dessins faisaient, que je devais être super influencée par Hergé, que mes dessins faisaient très de Tintin. C'était, ouais, donc... c'est quoi? C'est les gens qui voient la ligne claire, ouais, c'est ça, comme du son coup, seul représentant. Ligne claire, c'est tout le monde, en fait. C'est, ouais, tout le monde, et c'est Hergé. Ouais. C'est quoi, ligne claire? C'est juste des aplats, et puis le dessin... voilà, il y a pas de, je sais pas ce que ce serait un truc différent, mais où il y a les ombrages peut-être, ou des choses comme ça, ouais. C'est un peu, ouais, c'est Hergé, Chaland, ou des gens genre. Pas mal d'illustrateurs aussi. Et t'as l'air t'as l'air super prolifique. C'est quoi du coup tu dis que tu dessines beaucoup? Ben oui, et bon, après il y a certains clients qui m'obligent à être prolifique, parce que par exemple là j'ai mis la page des illustrations pour Le Monde, et Le Monde c'est toutes les semaines j'illustre une section qui s'appelle Campus sur les universités, et du coup bah c'est j'ai le sujet le mercredi, il faut rendre le croquis le vendredi et c'est publié le lundi, et du coup c'est faut ouais, faut trouver une idée super vite, et puis il faut travailler super vite.
Ouais. Donc, Et voilà. propose plusieurs dessins pour un thème ou c'est donné Je ce peux que pas, j'ai pas le temps, c'est vraiment ouais, j'ai un jour pour faire le croquis, donc il faut que ça tombe direct sur la bonne idée, parce que sinon ça devient un peu compliqué. Mais bon, généralement ça va, maintenant je suis habituée, je me débrouille pas trop mal pour ça, et j'ai rarement besoin de modifier mon dessin, quoi. Ok. Tu nous en montres plus là, on a envie de descendre. Alors du coup, ouais, alors ça, le premier, c'était sur le fait que le parcours des étudiants à cause du confinement, du Covid, soit interrompu. Interrompu. Ça, c'était les étudiants qui retournent vivre chez leurs parents, qui sont coincés. Alors que tout le monde a bien grandi, Voilà, et que c'est trop le petit. lien à la famille n'est pas forcément le même quand t'as Ouais. 18 et que quand t'as 25 ans. Oui, quand t'as 32, c'est bizarre aussi, hein, je vous confirme. Moi, j'ai fait le choix de rester à Paris toute seule dans mon mini-appart plutôt que de retourner chez ma mère avec un jardin, parce que je me suis dit que ça allait être compliqué. Et t'as dessiné beaucoup pendant le confinement? Ouais, j'ai fait pas mal de dessins de confinement. Là, je vais mettre sur mon Instagram. J'avais fait. C'est où? Ouais, par exemple, ma vision du confinement. Voilà, le monde qui brûle à l'extérieur et les gens qui sont à l'intérieur qui lisent des bouquins. Voilà. Ouais, carrément. Parce que, ouais, perso, j'ai lu beaucoup de bouquins, donc c'était un peu ma vie. T'as toujours ton club de lecture de livres et tout ça? Tout à fait, tout à fait. Mais ce club de lecture a maintenant 7 ans, je crois. Pas mal. Du coup, ouais. Et cet été, nous lisons un super livre qui s'appelle Peyton Place, qui a fait ensuite une série télévisée un peu horrible, type Dallas. Ça a l'air très bien. D'accord, Peyton Place, en solo opéra, d'après le roman de Grace Metalius. Ouais, c'est ça. En plus, elle a un super nom. Ouais, Voilà. c'est clair. Mais ça, attends, c'est un pseudo, c'est pas possible autrement. Ouais, je pense, ouais. J'ai pas cherché, mais sûrement. Et du coup, ouais, j'avais fait pas mal de trucs. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ouais, ça, c'était encore une illustration de confinement, de la vie de tout le monde. Ouais, mais j'ai fait pas mal de choses pendant le confinement, parce que bah, franchement, rester chez soi à ne rien faire, bah, ça aide pas mal pour avoir le temps de dessiner, quoi. Ouais, carrément. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes sujets, de tes thèmes d'illustration? Parce que ça a l'air très engagé, très... Bah oui, enfin moi je suis très engagée pour la cause féministe, évidemment, parce que je suis une femme. Et du pas tout le temps. ouais, mais en fait elle devrait, mais moi je connais tellement de filles que je rencontre et qui me disent: ah ben non, moi je suis pas féministe. Mais en fait c'était là, mais salut, tu as le droit d'avoir un travail, tu as le droit de voter, donc en fait tu devrais être féministe, parce que tu dois remercier les féministes, quoi. Donc bon, mais bon, c'est un autre débat. Et du coup, ouais, j'essaie de travailler au maximum pour des clients qui sont engagés dans ces causes-là. Par exemple, là, cette ligne qui est juste devant, c'est pour un podcast qui s'appelle Un podcast à soi, et qui est donc un podcast féministe qui est animé par Charlotte Bien-Aimée, et qui traite de tout un tas de sujets. À chaque épisode est un thème, et donc moi j'illustre chaque épisode. Et Ok. du coup, voilà, il y a une. Là, c'est un peu en pause, et forcément, vu qu'on peut pas faire de concert, mais j'avais un festival féministe que je co-organise, enfin que j'ai co-créé, que je co-organisais avec une petite vingtaine de personnes, et qui s'appelle Comme nous brûlons. Je vais aller essayer de trouver l'affiche, parce que forcément, quand je suis dans un truc, c'est moi qui fais l'affiche. Ça Et semble du le coup, minimum, je pense, pour ce genre de bah non, contenu. mais bon, voilà, tant qu'à faire, autant mettre ce que je sais faire au service de la cause. Et du coup, là, on a organisé, ouais, pas mal de concerts et de festivals. Et du Ouais, coup, donc il y a avec des que des flammes groupes de filles. partout. Oui, et ouais, bah, en tout cas, pas d'hommes cis blancs. C'était vraiment. Non, non, il fallait que ce soit au minimum majoritairement féminin. Pour Bien que. sûr. Quand même, parce que. C'est un peu, faut tenir le thème. Oui, et puis bon, les femmes sont quand même sous-représentées dans le milieu de la musique, donc on trouvait que c'était hyper important de mettre ça en avant, quoi. Voilà, donc ouais, voilà, comme nous brûlons. Il y a Julien qui nous demande: t'es plutôt tablette graphique ou souris pour une illustration précise et rigoureuse? Et bah, ouais, moi je suis au trackpad en fait pour les couleurs. Donc, mais sinon, après, moi je dessine sur
iPad, quoi. Donc, je sais pas si c'était ça le fond de la question. Je pense qu'il y a un petit peu des deux. Je pense que Mmh. on a pas mal d'utilisateurs en fait qui ont besoin justement de comprendre un peu comment font les autres pour être guidés. Delphine nous remarque que le confinement a été très prolifique pour tous les créas. Écoute, pas tous les créas, c'est pas vrai. Hein. Il y a plein de gens qui ont du mal à créer. Hein. Ouais. En tout cas, Mais tous c'est ceux qu'on a normal. reçus, promis. Hein. Vraiment, c'était horrible. Et j'ai parlé à d'autres gens pour qui c'était vraiment horrible aussi. En fait, il n'y avait pas vraiment d'entre-deux. Soit c'était un espace de liberté et truc, soit c'était le blocage absolu, quoi. Bah après, moi, je vais pas mentir, il y avait des jours où je pouvais rien faire. Hein. Je pouvais passer 5 jours à être incapable de faire quoi que ce soit. Il fallait que je regarde juste 50 films. Et après, je sortais 3 illustrations en un jour. Donc, c'était pas égal. Enfin, c'était pas égal pendant tout le temps, quoi. Parce que c'est Ouais. normal, hein, on est des êtres humains, c'est pas normal d'être enfermé. Tout à Ouais, fait. c'est ça. Du côté la prison et du coup l'esprit qui est en prison, c'était pas forcément. Ouais. Ouais, non, c'était pas un espace propice à la créativité du tout. Hein. Fallait se mettre dans un bon état d'esprit. Être créative à Bali, tu vois, c'est la prison, c'est certain. Carrément. Alors attends une seconde, je ferme. Oui, maintenant, tu peux continuer à parler. Et du coup, toi, quand tu parles de féminisme, de trucs engagés comme ça, est-ce que ça se répercute? Alors du coup, tu disais que ça, dans tes choix de clients, tu bosses avec des gens qui sont engagés. Est-ce que ça, comment ça se répercute dans tes illustrations? Bah en fait, enfin, j'essaie toujours de représenter dans toutes mes illustrations quand même majoritairement des femmes. Et puis et après, je veux représenter toutes sortes de femmes, toutes sortes de corps, toutes sortes de couleurs de peau, parce qu'en fait, là, c'est comme ça que le monde est fait, quoi. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'images qui ne mettent pas assez en valeur la diversité, quoi. Donc du coup, ça, j'essaie de faire un point d'honneur à avoir. Là, par exemple, on peut voir que voilà, où il y a toutes sortes de personnes parce que c'est bah, c'est important en fait. Donc, je sais pas, je sais, enfin, je sais pas, c'est un engagement énorme de faire ça, mais bon, moi, c'est ma contribution, quoi. Oula. De... Attends, on te perd un petit peu. Après contribution, on a perdu toute une phrase. Mais Là, là, vous ça. m'entendez? C'est Ouais, bon? là, je Ok. t'entends, ouais. Désolée, connexion internet pas C'est ça, terrible. c'est le Wi-Fi qui veut Mmh. ça. T'écris et Fozou nous dit Anna, vu que des clients t'imposent un rythme de travail assez intense, comment est-ce que tu fais pour trouver l'inspiration rapidement pour respecter tes délais de livraison? Ben, en fait, quand j'étais étudiante, on avait un prof qui nous faisait des exercices d'idées. Et en fait, il nous donnait 10 minutes, et en 10 minutes, il fallait trouver le plus d'idées possible pour un sujet. Et on a fait ça pendant toute une année. Et du coup, je crois que ça m'a pas mal aidé, ça, de devoir trouver une idée très très vite. Et donc, généralement, je note plein de mots, plein de choses par rapport à l'article que je dois illustrer ou au sujet. Et après, ben, je me dis tel mot, à quoi je peux penser comme métaphore, comme image, comme voilà. Oui, du coup, au final, c'était. Comment tu rappelles-moi maintenant? Là. Le micro. Qu'est-ce que. On a reçu la semaine dernière une illustratrice qui faisait les affiches du Festival de Cannes et qui nous disait exactement la même chose. Ah oui? C'était Flore Maquin l'année dernière. Si Oui. tu retrouves ton casque, Pauline, t'as gagné. C'était Ok. lointaine. Vas-y. C'était de plus en plus lointaine. Et effectivement, ouais, Flore, la semaine dernière, était sur ça, sur le rythme des illustrations, sur le fait de lancer rapidement, d'être capable de rebondir sur une idée, mais quand même de se donner le temps nécessaire à la création. Oui, mais c'est un peu le challenge, quoi, quand il faut de fournir une illustration très très vite, c'est quand même avoir le temps de penser. Et puis après, mais généralement, moi, je me donne à peu près une journée sans rien faire, où je réfléchis à l'idée. Et puis après, je note des choses et je réfléchis un peu plus. Et puis après, généralement, ça vient. Et là, dès que j'ai l'idée, par contre, je fais le dessin tout de suite, parce qu'après, j'ai plus trop le temps finalement. Donc, Ok. Et est-ce que. Là, j'ai une question, ça va paraître un peu bizarre. Mais comme tu es dans le surréalisme et dans
les trucs pas tellement la réalité, tu vois, on est d'accord avec ça. Est-ce que ça t'arrive est-ce que tu travailles avec le rêve, avec ce genre de trucs, tu vois? Est-ce que tu fais des rêves bizarres et que tu vas les dessiner? Je dessine jamais vraiment mes rêves. Non, c'est vrai que j'ai jamais fait ça, mais je trouve que mes rêves, ils sont uniquement bizarres en termes de situation, pas forcément de contenu. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de villes bizarres et d'animaux étranges et tout ça. C'est vraiment, Ok. souvent, c'est des situations qui sont pas normales, mais ouais, non, je peux pas vraiment tirer mon inspiration de mes rêves. Ils sont pas si cool que ça. Ah, c'est marrant que t'aies un tel univers visuel et que, en fait, ça soit pas. Ah mais j'ai un univers Ouais. visuel comme ça, mais en fait je suis très carré et très terre à terre. Vous verriez mon planning, c'est terrible, c'est C'est vrai? pas du tout créatif. Hein. Ouais, non, Et du coup, comment ça se fait? C'est je sais pas, je marrant. suis très très organisée en fait, parce que bah, justement pour avoir autant de trucs à rendre aussi rapidement, il faut quand même que j'ai un rythme qui soit calé quoi, qui soit organisé, parce que sinon j'y arriverai pas, je deviendrai dingue. Ok. Donc voilà, donc je suis très très organisée, très carrée, malgré les trucs un peu farfelus que je dessine. Et du coup, tu te donnes genre des sessions de travail où tu vas faire que du dessin de telle heure à telle heure, c'est un. J'essaie de faire ça, oui, j'essaie d'avoir une routine. En fait, c'est, parce qu'en fait, comme ma vie, elle n'est pas stable du tout, vu que je sais pas quand est-ce que je travaille, je sais pas quand est-ce que j'ai du travail, je sais pas quand est-ce que j'en ai pas, quoi. Donc du coup, j'essaie d'avoir un espèce de rythme où je vais au travail. Et je lis mes mails et je bois un café, ensuite je me mets à travailler, et voilà, enfin vraiment je fais ma vie de bureau. Ouais, toi qui es inspiré par les romanciers, effectivement, c'est toujours une question qui revient avec les auteurs, justement, de réfléchir, de structurer, d'être sûr d'avancer au moins Ouais, mais sur je sais les. pas si c'est bien pour tout le monde, mais pour moi ça marche, la routine ça marche, ouais. Mais je sais pas, il y a des gens qui peuvent pas fonctionner comme ça, parce qu'il y a des gens qui aiment bien travailler la nuit, par exemple. Moi je suis super matinale. Donc, du coup, ouais, mais bon, moi, c'est mon conseil à tout le monde, vraiment, d'avoir une routine, même si c'est ta routine commencée à 21 h, quoi. Oui, c'est clair. Ouais, bah, avoir une routine et aussi suivre notre rythme naturel, tu vois, genre, si Oui, t'es voilà, ouais, faut pas se forcer à faire matinale. quelque chose qu'on n'est pas fait pour Ouais. faire, quoi. Voilà. Ouais, tu sais, dans les entrepreneurs, il y a beaucoup de Miracle Morning, tous ces trucs-là. Bah, si c'est pas toi, c'est pas toi, tu vois, c'est pas grave, surtout Et les puis par créas. exemple, ouais, moi j'ai un problème avec les horaires, j'aime pas avoir des horaires fixes. Ok. Donc du coup, mais j'ai quand même une vague plage horaire fixe, mais j'aime pas devoir me dire qu'il faut que je sois au travail à 9 h, c'est pas possible. Parce que du coup, si j'ai envie d'y aller à 8 h 30, après ça me perturbe, quoi. Voilà. Et du Donc. coup, comment tu gardes la magie, tu vois, l'excitation de encore dessiner après tout ce temps-là? Comment tu arrives à te renouveler, à que ça soit pas juste une routine, justement? Je sais, en fait, mais je sais pas, c'est hyper bête, mais j'adore le dessin, j'adore dessiner, c'est Trop bien. vraiment ma passion, quoi. Et du coup, c'est pas du tout de la même chose pour moi. Chaque dessin, c'est un nouveau truc. Je suis toujours étonnée quand on me demande qu'un client me demande de travailler pour lui. Et du coup, c'est trop cool, quoi. Enfin, vraiment, pour moi, c'est jamais tout le temps la même chose. Ah, c'est trop bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu du projet Rock en scène? Là, je vois qu'il est devant. Oh, bah non, oui, il est devant, j'aurais dû l'enlever parce que Ah, c'est vrai, parce que bah ça du me coup. fait mal au cœur. Ah ouais, c'est clair. Ouais, ça a été annulé. Du coup, c'est moi qui faisais l'affiche de cette année. Et donc voilà, et elle était cool en plus, j'étais contente de moi. Parce que tu vois, c'est des projets avec tellement des grosses visibilités, ça, tu sais Et que ça oui, peut c'est partir dans ça, le et je métro l'ai. partout. Bah ouais. Mais ouais. Et je l'ai pas eu, j'ai pas eu mon affiche en 4 par 3 dans le métro et je suis triste. Ah, c'est vrai. Bah Ah, du coup, ouais, c'est ça aurait été trop trop bien, bien. Ouais. ouais. Ouais, c'est clair. Et du coup, comment. Bon, maintenant, du coup, il y a eu la fin du monde entre-temps. Mais quand tu as eu ce projet, ça t'a. Comment on finit par faire une affiche 24 par 3 pour Rock en scène, tu vois? Ben écoute, je sais pas trop parce que bon, c'est quand même bon. J'ai toujours travaillé pour les lieux culturels, les salles de concert, les choses comme ça, enfin parisiennes au moins. Et du coup, enfin ça me paraissait logique de faire des affiches de festival. Ça fait des années que j'en fais. Et là, quand Rock en scène m'a contacté, je me suis dit, ah, mais c'est trop bien parce que c'est un peu un des plus gros festivals français, donc c'est un peu l'apogée de ma carrière d'affichiste, quoi. Ouais. Mais en fait, on était en compète avec deux autres personnes, on était trois au départ pour cette affiche-là. Et donc, j'ai fini par gagner.
même si je sais pas si on gagne trop les trucs d'illustration, mais et voilà, et en fait c'était mon premier jet quasiment là, cette affiche. Ok, et c'est ce qui est passé, qui était accepté. Passé, et ça leur a plu, mais en même temps, moi, je connais super bien Rock en Scène. J'avais un magazine avant où on faisait pas mal d'animations, de trucs, et donc on avait été travailler à Rock en Scène plusieurs années de suite. L'univers rock et tout ça, c'est quand même un univers que je connais très bien. Donc ouais. Du coup, c'était pas difficile pour moi de faire une affiche pour eux parce que c'était complètement dans mes cordes, quoi. Je sortais pas du tout des sentiers battus pour moi. Ouais. Est-ce que du coup, il y a une pression supplémentaire qui se met quand c'est un truc avec telle affinité, tu vois? Ouais. Mais carrément, c'est comme quand j'ai des projets qui sont pour des trucs féministes super importants pour moi. C'est hyper difficile de pas stresser comme une dingue parce que vraiment, ça me tient super à cœur, quoi. Et là, Rock en Scène, j'ai eu des petites sueurs de pas l'avoir, que ça marche pas, et donc c'est pour ça que quadruple déception que ça a été annulé, quoi. Ouais, mais écoute, ce sera pour autre chose encore plus stylé, mais ouais, on verra. Pas encore, tu vois, ça. Mais Sylvie qui nous dit peut-être pour l'année prochaine. J'aimerais bien. C'est ça, ouais. Une chose à la fois. Ouais. Bien vraiment. J'ai quelques questions dans le chat sur, donc on a eu tout à l'heure tablette ou souris, etc. Mais là, est-ce que tu es plutôt en bitmap ou en vectoriel sur ce genre de projet? Ah, complètement vectoriel, tout le temps, tout le temps. En fait, sur iPad, je travaille sur Adobe Draw, donc on dessine en vectoriel. Et après, je fais mes couleurs et mes mises en page sur Illustrator. Donc toujours toujours vectoriel. En fait, j'aime pas du tout les pixels. Je déteste quand t'as des pixels. C'est tout en illustrateur. C'est tout en vectoriel. Tout en vectoriel. Trop bien. Ok. Mais c'est pour ça que mes couleurs sont plates. Que j'ai pas de texture. Parce que faire des textures sur Illustrator, c'est pas très pratique. Et c'est plus un boulot Photoshop, Procreate, tout ça. Ouais. Donc non, moi c'est vraiment, je fais du coloriage quoi dans Illustrator. Je colorie entre mes lignes, quoi. Et du coup, ça te permet de faire ces 4x3, des agrandissements à l'infini aussi, quoi. Oui, si quelqu'un veut que je fasse le côté de la tour Montparnasse, aucun problème, c'est possible. En fait. C'est possible, ouais, complètement. Le parvis de la Défense, comme ça. Voilà, appelez-moi pour tout ce genre de projet, je suis disponible. Ok. On sait jamais, hein. Attends. Jamais, on sait jamais. Alors, attends. Ça nous dit vive le vectoriel, moi non plus. Photoshop, par exemple, j'y touche pas beaucoup car il n'y a pas de vectoriel. Alors, c'est faux, il y a du vectoriel faux, dans Photoshop. Faux, ouais. Oui, mais large. C'est plus compliqué, Photoshop. Moi, ce que j'aime bien aussi dans. Attends, j'ai peut-être une. Oui, j'ai un truc pour Illustrator, là, c'est qu'on a. Tu peux tout travailler sur le même plan. Là, ça, c'est tout un bouquin sur lequel je suis en train de bosser et j'ai toutes mes illustrations au même endroit. Photoshop, c'est plus compliqué de faire ça. Ouais. Ah, c'est cool. On a le droit de voir ou c'est un peu top secret? C'est pas top secret, je peux pas tout vous montrer, mais c'est un livre sur le féminisme, donc c'est assez cool. Donc, par exemple, on a Buffy en Rosie la ripteuse. ouais. Voilà, c'est assez marrant. Ou alors j'ai fait une grosse manif féministe là qui est chouette, avec des nanas qui sont en colère et plein de slogans. Ah, c'est cool. Donc non, c'est ouais, ça va être chouette. C'est pour l'année prochaine. La vie est trop courte pour s'épiler la chatte. Tout à fait. Et du coup, après ça, tu vas le mettre en couleur ou tu vas le... Ouais, après, je mets ça en couleur. Petit bout par petit bout, quoi. Et justement, j'aime bien le fait d'avoir tout dans le même fichier parce qu'en fait, j'ai mon thème de couleurs. Et là, comme c'est un livre en entier, il faut que toutes mes couleurs soient les mêmes. Ouais. Pour la cohérence, quoi. Enfin, tout le monde fait pas comme ça, mais moi je fais comme ça. Et du coup, comme ça, j'ai mon petit fichier de couleurs à côté et y a pas de problème. Ok. Oui, c'est vrai que c'est chouette de voir le chemin de fer comme ça du bouquin. Ouais. Est-ce que. J'ai une question, pour une fois, j'ai une question technique, Franck. Est-ce que tu nous montres comment on fait un chemin de fer comme ça? Parce que t'as des pages de tailles différentes et tout. Ah ouais, bon, après, ça, c'est pas vraiment très compliqué parce que c'est juste, tu vois, c'est une page simple. Ouais. Et puis, donc, si je veux une même page simple, je la rajoute. Ok. Je la rajoute à côté ou je la mets ailleurs si c'est une page qui va aller entre d'autres pages.
Il me suffit de, si je veux une page double, bah je clique sur une page double et puis et j'en rajoute. Tu dupliques au fur et à mesure tes plans de travail. Ouais, c'est vrai que je pense qu'il y a, il y a pas mal d'utilisateurs d'Illustrator qui sont restés sur Illustrator jusque la CS 2 ou 3, je crois, où on n'avait pas de plan de travail, en fait. C'était un énorme plan de travail et tu devais déplacer la zone qui allait te servir à l'impression. Donc c'était un peu complexe. Mais depuis qu'il y a les plans de travail, ça simplifie beaucoup, beaucoup. Ouais, oui, et puis si tu dois modifier des trucs, tu vois, tu peux dupliquer, par exemple, si je prends ce truc et je la duplique, comme ça, non, ça s'est pas dupliqué. Voilà, ça c'est dupliqué. Comment tu fais dupliquer, du coup? Alt, ouais. Alt et je tiens Alt et je glisse. Et du coup, comme ça, je peux de faire deux versions différentes si j'avais modifié un petit détail. Et voilà, c'est très pratique. Alors, vous pouvez noter maintenir Alt et glisser. Généralement, c'est dupliqué, quoi, dans tout Adobe. Ouais, ouais, à peu près. Sauf si je dis Photoshop, vous maintenez votre calque, vous glissez, ça le duplique. Donc, le tips du jour. Le tips du jour. Maintenir Alt. Jérémy Crézanco nous dit ça a changé la donne, les plans de travail. Et Stéphane nous rappelle un petit truc, hein, pour ceux qui étaient perdus, qu'il y avait bien du vectoriel dans Photoshop. La sortie est principalement en pixels, mais on peut effectivement éventuellement exporter en PDF si vous en avez besoin. Là, c'est vrai que l'avantage d'Illustrator, c'est que si tu veux sortir tout ton bouquin en PDF, c'est juste un coup d'export et ton fichier, il est directement disponible. Oui, alors du coup, les plans de travail, là, tu peux les exporter et en faire tout de suite un truc ou t'es obligé de les réimporter dans InDesign? Ah non, pas du tout, tu peux les exporter comme ça. Et tu peux choisir d'exporter soit un plan de travail, si tu notes le numéro, ou soit certains pour faire un petit PDF ensemble, ou soit tout en entier et tu peux faire un PDF complet, quoi. Et tu peux choisir d'exporter les plans de travail ou le dessin, si tu t'arrêtes pas au plan de travail, voilà. Ah, c'est cool. Je pense qu'on vient de gagner 14 heures par jour à faire des trucs, là. Moi, j'étais encore en train de tout remettre dans InDesign, tu sais. Ah non, non, mais moi, j'utilise très peu InDesign. Ouais. Du coup, je fais tout. Là, j'avais dans mes trucs j'ai fait un bouquin et je l'ai fait entièrement sur Illustrator, quoi. Ok. Je vous ai enlevé les repères que normalement je laisse. Mais donc voilà, j'ai fait ma petite mise en page entièrement sur Illustrator. Ouais. Et du coup, ça va être quoi ce bouquin? Ça c'est un livre pour enfants sur lequel j'ai travaillé qui sort en octobre. D'accord. Et qui va s'appeler Ma maman est bizarre. Je vais vous sortir la couverture. Voilà. Ma maman est bizarre. Et donc c'est une maman qui est tatoueuse, qui est toute seule, qui est tatouée, qui est toute seule, qui fait des concerts, qui fait des manifs, tout ça, mais qui a une fille et qui n'en, ça n'empêche pas d'être une maman, hein. Donc c'était un peu en fait c'est mon agent Camille qui est aussi mon amie qui a écrit ce bouquin parce que c'est un peu sa vie et que c'est toujours un peu bizarre d'être une maman pas conventionnelle et de pas trouver de littérature pour sa fille, son fils, parce que tous les livres pour enfants c'est papa, maman, maman à la maison qui fait la cuisine, enfin je caricature mais c'est un peu ça, quoi. Et du coup c'est un petit peu bizarre d'être pas cette maman pour son enfant, quoi. Donc on s'est dit on va le faire nous-mêmes ce bouquin et donc elle a écrit et moi j'ai illustré. Pour pouvoir donner les réponses dans les cours de récré. C'est marrant. Non, qu'est-ce qu'elle fait, ta maman? Ouais, maman, elle est bizarre. Souvent, quand on parle aux gens qui avaient un genre de problème comme ça, ça n'existait pas. Du coup, on a décidé de le faire nous-mêmes. Donc, c'est toujours cool. C'est souvent ça, en fait. On n'a pas trouvé ce qu'on voulait. Du coup, pourquoi pas le faire, quoi. Ah, c'est cool. Du coup, ouais, ça donne... j'ai dessiné... maman qui emmène sa fille voir tous ses potes bizarres. Il y a de l'autoportrait dedans. Ouais, parce que j'aime bien caser parfois, donc là il y a moi. Les caméos. J'adore faire ça parce qu'en fait, les gens qui lisent, ils savent pas. Et par exemple, là, j'ai fait une scène de manif et quasi tous les gens qui sont dessinés, c'est mes potes, mais personne ne le sait. Ils arrivent à se reconnaître. Ouais, ils arrivent à se reconnaître et c'est ça qui est drôle, quoi. Et du coup, c'est comme ça, c'est pour faire,
un clin d'œil à mes amis. Et en même temps, de toute façon, j'ai forcément besoin de modèles. Quoi, modèles, donc, ils sont donc, tous trouvés. Autant que ce ne soient pas des inconnus. Quoi. Ouais, carrément. Il y a Mélo Coton qui nous dit « Super idée de faire enfin les livres de la vie qu'on vit. » Ah oui. Carrément, il faut y aller. Et est-ce que tu fais... Bah, du coup, est-ce que tu racontes souvent... C'est quoi le rôle de raconter des histoires dans tes illustrations, tu vois? Bah, je sais pas vraiment si je raconte des histoires. Enfin, si, il faut forcément que je raconte toujours un peu des histoires. Sur... Mais comme j'illustre souvent des choses que d'autres gens ont écrites, c'est pas forcément moi qui raconte. Il faut juste que j'arrive à faire passer l'idée dans un dessin, quoi. Ouais. Après, moi, je réfléchis. Est-ce que il y a des choses que moi je fais? Non, pas forcément. Ouais, je raconte. Enfin, je sais pas. Sûrement que mes illustrations racontent des histoires, mais je c'est pas forcément conscient, quoi. Ok. Et bah, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui auraient envie de se mettre à l'illustration? Tu vois, maintenant que t'as. Bah, il faut surtout. Enfin, temps et. Faut vraiment beaucoup beaucoup dessiner, quoi. Faut jamais s'arrêter. Parce qu'en fait, moi, je pense que je suis illustratrice parce que j'ai jamais arrêté de dessiner. Quand on est petit, tout le monde dessine, tout le monde sait dessiner. Donc en fait, il faut juste continuer, quoi. Ouais. Et après, ouais, pour être illustrateur, illustratrice, c'est difficile à dire, mais au début, il faut vraiment travailler gratuitement, souvent, quoi. Et ça, c'est pas drôle. Mais il faut quand même que réussir à avoir un portfolio, réussir à avoir des contacts. Et avoir des clients, parce que tu peux pas débarquer quelque part et penser qu'on va pouvoir te t'embaucher juste sur ta bonne foi, quoi. Donc moi, j'ai vraiment beaucoup travaillé gratuitement au début pour les amis, pour les salles de concert, des trucs comme ça, pour avoir un style, pour avoir de quoi montrer, voilà. Donc c'est le système est un peu comme ça. Ok. Mais et bon, est-ce que tu penses qu'il faut pas genre le système, on peut pas un peu lui... Ben moi, j'aimerais bien. Débaffer, tu vois. Ouais. Mais déjà, moi, travailler gratuit, ça m'érisse le poil direct. Ah non, c'est horrible. C'est horrible. Ça, ouais. Et en plus, les gens le demandent tout le temps. Moi, je vois, je suis souvent sollicitée pour du travail gratuit, pour des bonnes causes. Donc, pendant le confinement, on m'a contactée plein de fois pour les soignants. Sinon, c'est le féminisme d'habitude. Mais en fait, ouais. C'est pas parce que c'est une bonne cause que les gens ne doivent pas être rémunérés pour leur travail. En fait, c'est important de... Enfin, si tu fais le travail de quelqu'un, c'est important de le payer. Je ne comprends pas, moi, pourquoi les gens viennent pour du travail gratuit. C'est absurde. D'ailleurs, travail et gratuit, ça va pas ensemble, normalement. Ouais, ouais, carrément, ouais. Ouais, ouais, mais... Et en plus, c'est marrant que tu dis ça. C'est vrai que j'avais une amie qui avait créé une association au Canada et elle disait, en fait, elle se prenait un salaire et c'était mal vu. Elle était là, genre, mais attends, c'est toute ma vie d'aider des gens et des trucs, faut aussi que je me paye, quoi. Donc je pense que, ouais, c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, tu fais un truc cool et en plus... Non, et puis les gens trouvent ça normal que oui, tu donnes de ton temps et de ton travail, mais je pense que c'est aussi le stigma des illustrateurs parce que dessiner, c'est pas un vrai métier, quoi. Et donc, du coup, forcément... Et puis c'est pareil, les photographes c'est la même. Hein. C'est de toute façon tout le monde a Photoshop, oui, tout le monde est photographe. Donc pourquoi tu ferais pas des photos gratos? Bah c'est justement, terrible, hein. Tu vois, moi je suis photographe, tu sais, j'ai moins. Enfin, je me suis beaucoup battue, tu vois, mes deux premières années en fait, j'ai beaucoup refusé de faire des trucs gratuits et je me suis mis à un niveau qui était plus cher que plein de gens. Et en fait, ça a été vite compris et acquis par les gens. Tu vois, mais c'était un. Moi, c'est ce que je fais maintenant, d'avoir des tarifs et de jamais rien faire gratuitement. Mais, ouais. Mais c'est vrai que c'était pas évident comme parcours parce que quand tu arrives un peu de nulle part, disons, c'est hyper difficile de faire accepter que tu as besoin d'être payé. Mais, mais après, pour toutes ces associations qui n'ont pas forcément d'argent, qui veulent des illustrations, mais en fait, il y a plein de façons de payer. Tu n'es pas obligé de payer en argent si tu n'as pas d'argent. Tu peux, ça dépend ce que tu fais, mais si c'est quelque chose que tu fais... tu peux donner des produits que tu fais, donner des invitations à des trucs, essayer au moins de proposer une compensation. Et ouais, c'est vrai que les gens n'ont même pas le réflexe de faire ça, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Donc ça, c'est vraiment terrible. Mais bon, en vrai, on préfère le vrai argent. Hein, donc... on préfère le vrai argent. Maintenant, c'est que le vrai argent. Mais c'est vrai que pour débuter,
Oui, le troc, c'est bien pour débuter. Le troc, franchement, c'était vraiment cool. Et puis, ouais, et puis ça montre aussi que ça vaut un truc, ça vaut un équivalent. Oui, ça, voilà. Tu fais un échange équivalent dessus. Ouais, bon, à la fin. Tu restes pas coincé sur un truc, genre, bah oui, mais lui, je l'ai pris parce que j'aimais bien son travail, et puis finalement, je le garde parce qu'il est pas cher. Oui, et voilà. Et d'ailleurs, je te recommande parce que t'es pas très cher. C'est horrible, ouais. Parce que du coup, t'arrives nulle part avec ça, parce que si t'as fait un prix à quelqu'un. Et qu'après, ils te recommandent parce que c'était ce prix-là, tu peux pas monter ton tarif, ça marche plus. Oui, c'est ça, une fois qu'on a mis le doigt là-dedans, c'est fini en fait. Vos clients qui vous payent pas, c'est pas vos clients plus tard qui vont vous payer. Et le jour où ils ont un budget, ils prendront quelqu'un qui demande de l'argent parce que, en fait, quand c'est gratuit, ça a pas de valeur. C'est la règle. Et les pires clients qui vous traitent le plus mal en plus, hein, ça c'est vrai. La règle. Alors pour le coup, ouais, y a toute la problématique du projet passion, du projet engagement, etc. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas forcément conscience de ça. C'est-à-dire qu'ils se lancent dans leur projet passion et ils essayent d'y faire adhérer des illustrateurs, des graphistes, des photographes, etc. Mais sans comprendre que une autre personne ne va pas pouvoir s'engager de la même manière parce que ça prend du temps et que c'est pas sa passion au départ, quoi. C'est clair. Stéphane nous relance le lien de l'indémodable, Mon maçon était illustrateur. Ouais. Si vous ne connaissez pas celui-là, c'est effectivement assez priceless en termes de. Mais c'est un peu horrible quand on regarde ça parce que c'est tellement vrai et puis mais c'est hyper déprimant quoi, les gens. En tout cas, ça fait réagir tout le monde. Hein. La plupart des gens considèrent votre activité comme un hobby. Pour certains, tu fais ta passion donc tu peux le faire gratuitement. Un travail gratuit, c'est un travail sans valeur. Pour le loyer, c'est clair, c'est mieux. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, je conseille vraiment, et ce qui m'a vraiment sorti de ça et de cette mentalité un peu de pas cher et de trucs, c'est j'ai suivi beaucoup de marketing et de cours de business américains. Mmh. Et en fait, ils sont ailleurs. Enfin, vraiment. Et ça, je conseille à tous, quoi. Regardez le business de la photo, le business de l'illustration, de tout. Et en fait, là, on apprend vraiment à se pricer, à l'argumenter, à faire du marketing, en fait. Et ça, je pense qu'il y a un moment dans la carrière. Ça devient nécessaire pour pas juste être illustrateur ou photographe et tout. Il y a un moment, il faut se dire, ok, maintenant je fais un business, donc c'était le prix, tu vois. Mmh. Et je conseille à tout le monde, ma parenthèse popo, voilà. Donc, c'était les petits conseils de Pauline. Non, mais c'est vrai que j'y tiens tellement à ça, tu vois, que c'est pas important. Ouais, ouais. Non, c'est clair, ici on a commencé en faisant énormément de sujets très techniques. On fait de plus en plus de sujets très inspiration, mais on se rend compte que la plupart des artistes qu'on reçoit, enfin, y a un moment où tu es obligé de franchir le cap, de penser au fait que c'est un métier et qui prend une part considérable de ton temps, et que mieux tu le fais, plus les gens ont envie de travailler avec toi. Quoi, donc... Ouais, carrément. Non, et en plus, ça rend service à tout le monde, en fait, tu vois, d'apprendre à demander de l'argent, parce que ça monte tout le monde vers le haut, tu vois, donc Et puis, à partir du moment où tu as des tarifs trop bas, ça plombe le marché total, et du coup, c'est pas du tout sympa pour les autres qui font la même chose que toi, et j'ai dit que moi, j'avais travaillé gratuitement au départ, voilà, mais c'était avoir du contenu, mais il faut pas travailler gratuitement. Voilà, non, mais de toute façon, on a tous commencé comme ça, mais c'est vrai, le conseil aussi, c'est d'aller, d'être en contact avec d'autres illustrateurs qui travaillent, d'autres photographes qui travaillent, et de leur demander, en fait, quand t'as un hobby, t'es là. Moi, j'ai aucun problème à te dire quel tarif j'ai eu pour un truc similaire pour pouvoir aider à tarifer un boulot, quoi. Mais parfois, il y a des gens qui me contactent qui s'excusent mille fois de me dire qu'est-ce que tu pourrais me donner une fourchette de tarif pour tel type. C'est normal, je peux vraiment te donner une fourchette. Il n'y a pas de problème parce que, en fait, tu ne sais pas au début quand tu commences, quel tarif les gens pratiquent. Donc, c'est important de partager ça aussi. Ouais, d'où les échanges sur les communautés, d'où les réseaux, d'où les... Ouais, les forums et tout, les gens discutent de ça. Les gens se retrouvent et peuvent discuter de ça, ce qu'il n'y avait pas forcément auparavant. Et on le voit aussi même en termes d'organisation professionnelle. On voit les ligues d'auteurs, les rassemblements d'illustrateurs et autres qui sont plus juste à la surface en échange. Il y a vraiment des discussions sur les statuts d'artistes en ce moment, c'est bien. Question de Técri et Fozou, est-ce qu'il y a un moyen de savoir les tarifs des autres pour ne pas plomber le marché? Faut leur demander, faut se faire copain. C'est là où c'est important de ne pas travailler tout seul, tu vois.
Enfin, oui, et puis là, je trouve que moi, la rivalité dans les mêmes métiers, ça sert à rien. Donc, quand tu peux, c'est bien d'être ami avec d'autres illustrateurs ou d'autres photographes quand tu fais la photo, tout ça, pour pouvoir discuter de comment ça marche, de comment tu demandes quelque chose, de même parfois comment écrire tes mails. Moi, je travaille avec une autre illustratrice dans mon atelier et parfois elle me dit, bah attends, ça va, est-ce qu'on peut envoyer un mail comme ça, est-ce que ça veut dire ce que je veux bien. Enfin voilà, c'est important de s'aider. Et je pense, pour mettre aussi en perspective, si nous, créateurs, on n'a aucune idée de combien ça vaut, je vous assure que le client en face, il n'en sait rien, en fait. Oui, c'est pareil. Oui. Donc, en fait, c'est à nous, créateurs, d'éduquer les gens sur ce que ça vaut. Donc, en fait, c'est à nous de décider. Mmh. Et les gens, ils n'en savent rien. C'est pas à eux de décider, tu vois. Voilà. Et du coup, Mélocoton qui nous demande, est-ce que tu fais des forfaits au dessin ou tu calcules des heures passées pour les tarifs? Donc moi, je suis illustratrice, donc Maison des Artistes, je n'ai pas le droit de calculer en heures. On calcule en droit d'auteur, donc les droits d'auteur, c'est des forfaits et tu calcules un certain forfait pour la réalisation et les droits de diffusion. Bien sûr. Alors là, Stéphane est en train de nous mettre tous les liens du snack, de la charte, de la Ligue des auteurs pro. C'est bien. Vous allez avoir toutes les références. Si jamais vous êtes un jeune illustrateur qui se lance, vous allez avoir ça et vous pourrez même retrouver tous les liens dans le Discord, parce que je sais qu'il fait les choses bien et en double. Allez, trop bien. Pierre nous demande, est-ce qu'il est possible d'avoir les liens des cours de business américains dont parlait Pauline? Ah, mais c'est dans le Discord. On en reparlera tout à l'heure. Ouais. Tout à l'heure. Ok. Et Irina nous dit, la dessinatrice, si, on avait parlé justement de ce travail gratuit pour les bonnes causes. Ah oui. Elle avait fait toute une série de stories sur Instagram. Non, c'était bien. C'est cool. Du coup, donc on a vu tes derniers projets, les deux livres qui étaient en cours. Mm-hmm. Le livre de la maman, du coup, tu nous as dit quand est-ce qu'il sortait? Ou pas encore? 2 octobre. 2 octobre. 2 octobre. C'est une bonne et chose. Et c'est édité chez La Ville Brûle. Et ça va être vraiment bien. Cool. Ça, c'est bien. Si jamais je trouve La Ville Brûle, ils l'ont déjà annoncé ou pas encore? Oui, je pense. Ouais, j'en ai une copie là, mais j'ai pas les autres. Il existe déjà. Oh là là, il existe. Et on a pas le. Enfin, on a juste c'est juste le prototype, ça. Et puis, d'accord. Du coup. Mais j'ai pas reçu même les vrais exemplaires. T'as pas encore tes exemplaires auteurs, ça va venir. Une chose à la fois. Bah écoute, est-ce que tu nous montrerais encore un projet Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah bah j'ai un autre projet de bouquin que j'ai fait. Est-ce qu'il est là-dedans? C'est encore pour les enfants. Et puis ça, c'est pas du tout édité ni rien. Et ça va être sur base de petits animaux, ça va être cool. Donc, et ça va être des jeux de mots, mais là je ne vous ai pas mis les textes, mais ça va être des jeux de mots de. Bon, celui-là, c'est facile, c'est est-ce qu'une souris sourit? Ah! Donc voilà, donc c'est des trucs un peu mignons avec des animaux. Et ça va être chouette. Mais bon, ça encore, c'est au stade de projet. Ouais. Ah, c'est trop bien, c'est cool. Il est bien ton Crictor. Il est réactualisé par rapport à la version du père père Ungerer. Attends, j'ai des phoques, ça c'est ma préférée. Les petits phoques qui sont dans une piscine, voilà. C'est trop bien. Et du coup, tu fais tout ça à l'iPad et après Ouais, en fait, j'importe juste les lignes et puis je fais toutes mes couleurs sur Illustrator, parce qu'après, là, quand on voit, c'est toutes les mêmes couleurs. Mm-hmm. Donc, ouais. Je peux même, si j'ai envie, de prendre tout. Et de modifier certaines couleurs. Et ben, je peux. Par exemple, si je me dis, ça finalement. Ah, mais c'est trop bien ça! Ça va être rouge comme ça. Et ça change tous mes rouges. Waouh! Voilà. Non, mais c'est pour ça que j'adore Illustrator. Ça marche trop bien pour ces trucs-là. Ouais, d'accord. Tu vois, tu peux changer tout d'un coup. Ouais. Ok. Ouais, t'assurer une cohérence. Tu peux même rassembler deux couleurs. Ça, c'est le truc que je trouve magique dedans. Notamment pour tous les gens qui pensent d'abord, qui imaginent leur couleur en général et qui se disent « Ah oui, tiens, en fait, j'aurais besoin de réduire pour faire une sérigraphie avec 4 couleurs. » Et là, t'as le bouton magique de couleur auto, là, en haut à droite. Ouais, ça. Mais sinon, tu peux aussi le faire manuellement si tu veux, tu vois. Mettons que tu dises « Voilà, ça, c'est ma couleur principale, et ben je vais la mettre un peu partout. »
Voilà, genre, et du coup, t'enlèves et tu te retrouves à la fin avec trois couleurs et c'est parfait pour le boulot que t'avais à rendre. Donc, voilà. Ah, c'est trop bien. Donc ça s'appelle Redéfinir les couleurs pour les gens qui cherchent. Stéphane vous a remis le nom. Et c'est dans édition Modifier les couleurs. Ouais, carrément. Ok. Et du coup, que des aplats. C'est quoi? C'est un contour noir avec une couleur à l'intérieur ou c'est... Oui, oui, oui. Attends, on peut voir si je clique dessus. Ok. Que c'est vraiment juste le contour. D'accord. Avec une couleur dedans. Voilà. Ok. Et quand on dessine sur iPad, là, ça fait des traits qui ouais. sont. Enfin, en fait, ouais, c'est ça, c'est comme si c'était un contour transparent et rempli à l'intérieur. Ok. Mais ce qui est assez cool, parce qu'en fait, par exemple, je peux décider que ce trait-là, il est d'une couleur en particulier. Ouais, carrément. Juste le trait, quoi. Donc, ouais. Tu peux rechanger les couleurs d'un contour et c'est vachement pratique. Ok. Ah, c'est cool. Ça donne envie de dessiner. Mais oui! C'est exactement l'idée. C'est après, chacun se met sur sa planche à dessin, publie des trucs en disant « Regarde, j'ai fait ça. Yeah, » J'ai bidouillé des trucs. Est-ce que, comment tu choisis tes couleurs, justement, au pif, ou est-ce que tu as le même nuancier que tu réutilises, demande Irina. Non, mais je devrais avoir un nuancier, parce que c'est vrai que souvent, je réutilise un peu les mêmes couleurs. Mais je les fais au fur et à mesure à chaque fois. Mais on voit que j'ai des phases. On voit ça sur mon Instagram, c'est marrant, des phases de couleurs. Donc, je sais pas, là, par exemple, on a du bleu et du orange, beaucoup. Mmh. Et puis, si tu retournes vachement en arrière, ça va être autre chose, quoi. Donc, ouais, tu vas avoir des couleurs vachement plus vives ou... C'est la saisonnalité de tes couleurs en fonction... Ouais, de... ouais, et je fais pas du tout exprès, mais on le voit. Mmh. Et alors, du coup, le dégradé pour la couverture uniquement. Tout le reste, c'est de la plat. Ouais, ouais, ouais. Mais je fais pas... Ouais, parfois, je recase un peu de dégradé quand même pour donner un peu de... Mais c'est bon, c'est pas de la matière. Hein. Oui, on n'est pas encore arrivé là. Non. Un jour, peut-être, d'ici 10 ans, je mettrai des petites matières. Peut-être. Une chose à la fois, faudrait pas brusquer non plus. Non, 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 je peux les contrôler, je les contrôle moins bien, les matières, donc du coup, ça me fait trop peur. Il y a Ejan qui nous dit « J'ai jamais osé, je travaille en couleur globale en général, mais je vais essayer. » Les couleurs globales, ça, c'est un truc qui est dans Illustrator depuis toujours. Aussi, de justement, tu choisis quelques couleurs et tu sais, elles ont le petit triangle blanc dans le coin, dans le nuancier. Ah oui, oui, oui. Ouais. Oui, mais ça, c'est compliqué parce qu'on peut vraiment pas du tout les ajuster, les éclaircir et tout ça, si. Si, si, sans aucun problème, et exactement de la même manière. Et c'était pour ça que je le précisais, parce que tu peux, du coup, faire ton boulot en couleur globale. Derrière, tu sais que tu vas pouvoir les ajuster, éventuellement faire des nuances de ces couleurs globales, et tu pourras redéfinir ta source de la même manière. Oui, mais elles restent... Oui, du coup, elles sont dans un nuancier, donc elles sont aussi plus faciles à retrouver. Elles sont beaucoup plus faciles à retrouver, et tu peux même imaginer, à la fin, genre, tu veux faire un cas de couleurs en sérigraphie pour un tote bag, pour un t-shirt ou autre, et t'as déjà tes couleurs, t'as pas de séparation quadrille dedans, donc ça c'est assez magique. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Ah, bah c'est encore mieux. Carrément. Et, et donc ça marche sur les couleurs classiques, sur les couleurs globales, et ça marche aussi sur les dégradés, sur les motifs. Pour les gens qui aiment bien les motifs dans Illustrator, parce que c'est du pur bonheur, il y a largement moyen en fait, de recoloriser complètement un motif et de refaire des tests de rendu dessus. Cool. En tout cas, tout le monde s'est mis là-dessus. Tout le monde s'est mis sur les couleurs générales, c'est bien. Et Exa qui est arrivé après me demande mais du coup c'est pas fait avec la plume, c'est fait avec une tablette. Oui, c'est fait avec une c'est fait sur Illustrator iPad. Draw sur iPad, c'est ça hein. Et par rapport à la dernière fois qu'on s'était parlé, pourquoi est-ce que tu étais encore sur Draw plus... Est-ce que tu avais retesté Sketch depuis Fresco depuis... Fresco ouais. Et ben j'ai pas, non, parce que j'ai pas, je sais plus ce qu'il y avait qui me manquait. Ouais, 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 je sais que tu nous avais dit qu'il manquait un truc, mais je sais plus parce que l'exportation vers Illustrator. C'est ça qui me manquait. Il fallait que je puisse l'ouvrir dans Illustrator. On pouvait l'ouvrir que dans Photoshop à ce moment-là. Ouais, et du coup, ça n'avait aucun intérêt pour moi. Mais j'ai pas regardé si ça avait été... j'imagine maintenant. Je crois que tu l'envoies pas en direct, mais tu peux récupérer soit le PSD, soit le PDF, et il s'ouvre de toute façon dans Illustrator, et donc tu peux finaliser ton dessin. Je sais qu'on l'a fait avec une styliste. Je regarderai. Oui, je me demandais, c'est quoi la différence entre Fresco et Draw, du coup? Bah, Fresco, ça va être un mix entre
Draw et puis c'est le Photoshop, Photoshop non, Sketch. Il y avait Photoshop Sketch et Illustrator Draw. Et Fresco, c'est vraiment... Ça remplace les deux. C'est ça. Mais dans Fresco, tu peux faire des trucs incroyables avec l'aquarelle et l'huile et tout ça. Là. Ouais, mais on n'est pas obligé. Je sais qu'il y a des gens qui sont très frustrés par autre chose que la ligne claire. Non, moi je sais que je l'utilise énormément parce que du coup je fais toutes mes esquisses dans Fresco parce que du coup t'es un peu en ressenti crayon à papier et Stéphane nous confirme hein, depuis Fresco l'export PDF puis vers Illustrator il n'y a pas de souci. Ok. Ouais. Et moi je sais qu'on avait le flux aussi de pouvoir reprendre une partie du contenu même dans Photoshop et quand tu double-cliques dessus ça repart dans la bonne application. Ouais, Irina dit qu'elle est adepte de Photoshop et que ça lui donne envie de replonger dans Illustrator. Je suis d'accord. Ah. Ouais. Et pour ExaMotion nous demande si ça existe sur PC ou c'est que sur tablette ou iPad. Alors, Fresco existe sur iPad principalement, mais aussi sur toutes les tablettes Windows sur lesquelles le tactile est intégré. Donc, ça veut dire des Microsoft Surface, des Cintiq Companion, quelques HP, ZBook et autres. Il n'y a pas encore tout dessus, mais c'est vrai que c'est quelque chose... Enfin, c'est dispo sur certains Windows. Par contre, si vous êtes comme moi sur Mac avec une tablette Intuos Wacom, eh ben, vous êtes puni et vous allez jouer sur l'iPad. Voilà. Voilà, voilà. Et je me rends compte qu'il est 15h. C'était cool. C'était très bien. Merci beaucoup à toi, Anna. Merci de m'avoir invité. Mais oui, on aime bien prendre des news, on aime bien regarder un petit peu de choix d'images, de prendre un petit peu des nouvelles des derniers projets, de comprendre un petit peu tout ça. Si vous avez encore une dernière question, c'est maintenant, parce que dans 30 secondes, eh bien, on sera parti sur le Discord. J'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient déjà pris leur place dans le Discord. Il y a eu un beau crash. Il y a eu un beau crash ? Ouais, un crash complet de Rarecast. C'est pas très grave. Ah, ça arrive. Oui. Ouais, ouais, ouais. Là, on est dans le noir. Mais on est revenu. Donc on est revenu pour la fin. Allez. Je sais pas pourquoi. Ouais, il y a des jours comme ça quand ça veut pas. C'est juste le moment de se dire au revoir de toute façon. On n'est pas partis comme des sauvages. On vous aime bien. Donc on se retrouve sur le Discord. Vous avez les liens. Vous pouvez encore poser 2-3 questions. On n'a pas vu l'heure passer, nous dit t'écris, donc c'est parfait. Tant mieux, c'était un peu l'idée. Pour ceux qui nous suivent au quotidien, vous savez déjà que vous pouvez vous abonner sur Beyond 5. Quand vous regardez le planning des prochaines semaines sur le live, vous avez accès à ça. Pour les habitués de la chaîne YouTube, vous y êtes les bienvenus aussi, il n'y a pas de souci. C'est juste pour vous lire, c'est plus facile pour nous, c'est beaucoup plus facile. D'où l'idée. Demain, pendant le Adobe Live en français, vous pourrez retrouver, on sera jeudi, on retrouvera Simon Landrin sur de l'illustration. Ah, et bien. Vendredi, on sera avec Molly Fernix sur un sujet d'illustration et d'animation. Puisqu'elle fait plein de petites choses, des petits badges, des petits... Pareil, beaucoup de sujets autour du féminisme, ça va parler à pas mal de monde. Elle s'est fait une réputation sur les gifs animés. Elle fait énormément de trucs dessus, c'est assez cool. D'ailleurs, elle nous parlera du projet Adobe versus Lady Gaga pour les fans du genre. Donc c'est assez cool. Et sur la chaîne YouTube, ce sera vendredi à 16h. On terminera la semaine avec Alexis Briclot. Donc là, c'est pour les gens qui aiment bien tout ce qui est concept art et grosse illustration. Alexis, on l'avait reçu vite fait en petite interview comme ça. Là, il va dessiner sur place. Et Alexis, il était au concept sur Marvel, sur pas mal de films autour du comics, du Marvel Cinematic Universe. Donc vous êtes les bienvenus, voilà, demain 14h, vendredi 14h et 16h. Profitez-en bien. Merci à vous deux, merci à tous les gens qui nous ont suivis dans le chat, et à très bientôt. À demain. Bye bye.